Et salut tout le monde, c'est Sandy30000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mario Golf Super Rush. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. La dernière fois on s'était arrêté ici, juste devant le moniteur chef qui nous demandait de faire du speed golf. Eh bien écoutez, on est prêt, c'est parti. La dernière fois on avait commencé l'aventure, je prends le relais, je me charge du chronomètre et de comptabiliser les scores. Ok bon, très bien, merci beaucoup. Alors, inclinez le stick dans la direction de votre choix pour se déplacer, appuyez sur le A pour sauter, appuyez sur B en courant pour sprinter. Donc ça je vous en parlais dans le premier épisode, hein. Eh bien plus on court, plus la barre d'endurance se vide et du coup c'est pour ça que je l'avais améliorée. Donc très bien, si l'endurance est dans le vert, vous pouvez déclencher avec L un sprint spécial. Eh bien écoutez, c'est parfait. Magnifique. On va voir un petit peu comment je m'en sors. Trou 16. Ok, vitesse du vent 5 mètres par seconde. Ok. Terrain en montée. D'accord, d'accord. Eh ben écoutez, c'est parti. Let's go. Allez, c'est parti. Hop. Hop. Allez, j'y vais. Vite. Vas-y, Mommy. Cours. C'est parti. Alors, attendez, comment on fait? Ah oui, voilà, le sprint. Yes. Bon, le sprint est cool. Mais attendez, je vais pas pouvoir courir jusqu'à la fin là. Ah, sur le green. Regardez ma balle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là, ma balle. D'accord, et en fait, si je cours pas, par contre, vous avez vu? Ah, putt de birdie. Alors attendez. Hop. Si je cours pas, vous avez vu avec ma balle, eh bien, la jauge remonte. Ok, très bien. Donc là, on a fait un par. Ok, bon. Je devais faire le birdie normalement, mais c'est pas grave. Ok, donc ça, c'est bien. Parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors attention, le trou 17, oula, on va aller vers là-bas. C'est tout un dédale, hein, Mario Golf, des fois sur certains circuits. Allez, joli coup, c'est parti. Hop, on commence avec un petit run, une petite course. Alors attendez, on va en profiter un petit peu de la vue, fairway, ok, voilà, on regarde un petit peu. Voilà, on court un petit peu quand même, mais on profite de la vue, voilà, les petits arbres, c'est champêtre comme endroit. Il n'y a que moi qui, qui regarde ce genre de truc. Alors attendez, là on est bon, c'est parti. Alors il faut faire attention parce que regardez, la barre elle est un petit peu courbée, donc ça veut dire que, eh bien bien évidemment, ma balle va aller un petit peu du côté gauche. Ok, d'accord, très bien, c'est parti. Il y a un bunker là-bas, sur le green. Ah, ça fait plaisir. Alors est-ce qu'elle peut rentrer là? Parce que, attendez, ma balle de golf, j'ai l'impression que c'est une balle rebondissante, c'est pas possible. Regardez les trajectoires qu'elle fait. C'est nawak. Allez hop, putt de birdie. Mince. Ok, c'est bon, ouf, c'est rentré. Donc là j'ai fait un birdie. Yes. Bon, la tête de Mommy, un peu chelou quand même. Mais j'ai fait un birdie, ça c'est bien. Alors qu'est-ce que nous avons? Vitesse du vent 3 mètres par seconde. Terrain sans pente. Ok, ça c'est plutôt bien. Attention. Alors il est où le trou? Je le vois pas. Attendez, le trou. Le trou. Il est là-bas, ok, d'accord, c'est parti. Hop. Yap. Sans effet, et on y va. Mince, par contre, ma balle, elle a dévié totalement, là. Elle a fait un peu n'importe quoi, bon, c'est pas grave. On va passer vers là-bas. On va courir. Petit shortcut, le fairway. On n'est pas allé dans un bunker, c'est plutôt sympa. Ah, regardez, en haut à gauche, il y a la map, j'avais pas vu. Bon, ben ça, ça fait plaisir. Allez, cours, Mommy, là. Ah, il peut pas courir jusqu'à la fin, d'accord. Alors, attendez. Comment on fait là? Je peux pas regarder. Bah oui, je peux regarder. Là, il y a un gros bunker. Ah, attendez. Donc là, il faut que je l'envoie plus vers là-bas parce qu'elle va partir en fait. Ouais, si je l'envoie vers là-bas, c'est bien. Ok, là, on est dans une grande pente. C'est parti. Joli coup. Donc normalement, elle va pas dévier. Normalement. Je sais pas. Allez, hop. On court dans le bunker. C'est parti. Yes. Le fairway. Super. Et oui, parce que... En fait, j'ai pris en compte la trajectoire de ma balle, du coup, avec la pente. Mais regardez ma balle, elle fait n'importe quoi. Ah non, bah, en fait, elle fait juste un rebond, en fait, finalement. Allez, hop, on va prendre un... Ouais, un coup comme ça. Clac sur le green, sans effet. Nickel, joli coup. Allez, on peut y aller. Stop, arrête-toi. Je suis bien, là. Attendez, elle va rentrer ou quoi? Sur le green, merci Jean-Jacques. Allez hop. Yes. Génial, et c'est un birdie. Je me débrouille bien, dis donc, en speed golf. Donc le birdie, en fait, si vous faites un birdie, vous allez marquer moins un point. Et en fait, au golf, bien évidemment, le but, c'est d'avoir le moins de points possible. Et encore mieux si on a un score négatif.
C'est bien d'avoir 0, mais si on a un score négatif, c'est encore mieux. Alors j'ai gagné 1000 pièces, parfait. Par contre, attendez, mon endurance, elle était vraiment mauvaise. Il va falloir que je l'améliore. Alors attendez, vitesse. Je peux l'améliorer. Précision. Bon, on l'améliore au max. Je peux pas améliorer encore plus, non. D'accord, et eh ben écoutez, voilà. Super. Parce que la précision, quand même, ça permet de faire de jolis coups. Et ça, c'est plutôt sympa. Tu as réussi, bravo! Tu as fini dans le temps imparti et sans jouer trop de coups. Joli! Te voilà donc prêt à effectuer une partie de qualification. Eh ben d'accord, très bien. Encore une chose, même si tu as maintenant accès libre au parcours, n'oublie pas les efforts qu'il t'a fallu pour y parvenir. Non mais t'inquiète pas, t'en fais pas, je vais pas oublier les vrais. Je vais pas oublier les bros, même quand je serai devenu champion de golf, t'en fais pas. Mon petit frère Marteau. Du coup, c'est parti pour faire une partie de qualif. Bienvenue à l'entrée du parcours principal du golf d'Erascott. Vérification du badge, vous pouvez désormais participer à une partie de qualification. Eh ben écoutez, c'est parti. Avant de commencer la partie de qualification, veux-tu que je t'apprenne comment incurver la trajectoire de tes coups? Ouais, ça peut être intéressant. En plus de définir la puissance de chaque coup, vous pouvez aussi incurver sa trajectoire pour éviter, par exemple, un obstacle. Ajuster la trajectoire de la balle avec elle avant que le club ne frappe. D'accord. Ok, très bien. Bon, ben ça, c'est plutôt intéressant. D'accord, ben merci Todd, parce que franchement, des fois, quand il y a des arbres qui te bloquent le passage, ben c'est plutôt sympa. Par contre, là, c'est une vraie partie de golf ou c'est une partie de golf rush? Parce que ça dépend aussi, bien évidemment. Trou numéro 1, par 4, 334, le vent. Donc, il va vers le nord... Ouest? Ouais, nord-ouest, je crois. Oui, nord-ouest, c'est bon. À chaque fois, je confonds. Oh, Yoshi! Yoshi jaune! Yoshi jaune, Yoshi rose, pardon. Allez, c'est parti. Clac. Sans effet, bam. Ouais, on est bon, sans effet. Et c'est du speed golf. D'accord, on y va. C'est parti. Par contre, attendez. C'est la première fois que je vais affronter d'autres personnages. Oh, il y a des pièces. Fairway. Un cœur. Attendez. Lui, il est allé dans le bunker. Il a pas de chance. Oh putain! Allez, vite, 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 momie. Vas-y, go, go, go. T'es bon, là. Super. Alors, on est bon. Let's go. Super. Sans effet. Clac! Joli coup. Allez, go. Je vais prendre le cœur. Voilà. On va prendre des pièces aussi, tant qu'à faire. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Le fairway. L'autre. Attendez, quoi? J'ai l'impression qu'il a tellement mieux tiré que moi, l'autre. Ah non, en fait, c'est bon. Non, non, Todd, il est un peu nul. Non, non, j'ai fait un bon coup, moi, je pense. Très bien, alors, coup d'approche. Ouais, bah écoutez, on y va, hein. Hop. Clac. C'est parti. Ouh, purée, mince, j'ai un peu fait n'importe quoi. Alors, attendez. On va s'approcher. Clac. Non, c'était nul. Ok, super. Bon, j'ai fait un par, normalement. Non, un bogey. Aïe, 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 aïe. Donc, le bogey, j'ai fait plus 1. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent, les deux, là? Ils galèrent. Oh là là, les boulets, les deux, là. Ils galèrent, vraiment. Non, mais c'est pas possible, ça. Vas-y, Yoshi. Ouais, il a mis la balle. Bah ouais, t'as fait un bogey, mon grand. T'es nul. Ok, super. Bon, pour l'instant, je suis en tête. Enfin, tout le monde est en tête. Trou numéro 2. Attention. Allez, c'est parti. Oula, attendez, on peut faire un trou en 1, là. Alors, le trou en 1, c'est quand tu réussis à faire parfaitement, du coup, un trou en 1, comme son nom l'indique. Allez, c'est parti. Est-ce que je le mets ou pas? Rouse. Ok, c'est un peu naze, ce que j'ai fait, du coup. Ah, mais attendez, mais elle va où, ma balle, là? J'ai l'impression qu'elle va super loin. Ah ouais, elle est allée super loin par rapport aux autres. C'est un peu naze. Ok. Oh purée, zut. Mat? Comment ça, mat? Échec et mat? Je comprends pas. Allez, vas-y. Ouais, super. Ok, part, joli. Au moins, j'ai pas marqué un point. Ça, c'est bien. Et lui, mais qu'est-ce qu'il galère? Le Yoshi Rose, là, mais qu'est-ce qu'il est mauvais? Plus 2. Ok, donc lui, il a fait un bogey encore. Par contre, le Todd, là, il me colle. Il a pas honte, hein. Trou numéro 3. Attention. C'est parti. Alors, le vent, il est bien, là. Allez, c'est parti.
Je suis grave pas avantagé comparé au Todd. Attendez, vous avez vu? Lui, il a carrément un petit espace où il peut se mettre tranquillou. Fairway. Ouais, bah, je m'en fiche. C'est pas grave. Moi, j'aime bien le fairway. Attendez. Allez, go. Vite, vite, vite. On va faire un petit run, là. Allez, voilà, super. Après, est-ce que ça sert vraiment d'être le premier à avoir mis la balle? J'en ai aucune idée. Je vais me mettre plutôt vers là-bas. Voilà. Sans effet. Clac. Ah, mince. Elle a dévié, je crois. Bon, c'est pas grave. Allez, on prend ça. Go. Oh, je suis pas mal. Franchement, j'ai fait deux bonnes courses, là. Regardez-moi ce public, là. Ils font la même animation à chaque fois. C'est animé en deux frames, c'est n'importe quoi. Allez, hop. De toute façon, vaut mieux utiliser sa jauge. Hein. Ouais, mais les arbres, les cyprès, là, vont me saouler un peu, non? Attendez, je peux pas faire un effet? On m'avait expliqué comment faire un effet. Ah, bah, je vais me mettre carrément là, parce que regardez la jauge, comment elle est. Voilà. Voilà, super. Bon, là, j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai l'impression. Alors, attendez, je vais où, là? Comme ça. Oh, dans le bunker, mince! Oh là 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 là! Bon, au moins, elle bougera pas. On va dire ça comme ça. Ah, le Todd, il est mauvais, là. Il y a moyen qu'on y arrive. Ok. Allez, super. Bon, là, il faut sortir de cette merde. Alors, le bunker, c'est toujours n'importe quoi. En plus, on est en pente, quoi. Bunker et pente, c'est incroyable. Voilà, on sort. Oh, je la mets? Belle-Ève, croire en nos rêves. Non! Oh là là, joli rattrapage. Mais merci, Jean-Yves. Allez, super. Et c'est un par. Ok, donc là, j'espère que le Todd a fait un coup de merde. Oh! Vous avez vu sa balle? Genre, elle était rouge. Ok, d'accord. Et le Todd, il a réussi. Il a fait quoi? Un par aussi. Plus 2, plus 1. Oh là là, mais il me colle, c'est pas possible. Trou numéro 4. Allez, c'est parti. Bon, il faut se départager, là. Ah, mais c'est un 9 trous, en fait. J'avais pas capté, moi. Voilà, joli. Allez, go, on y va. C'est parti. Mais j'ai l'impression que eux, ils sprintent pas. Ils sprintent, eux, ou pas? Pas trop, hein. Fairway. Ah si, regardez, le Todd, il sprint. Ah ouais, 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 d'accord. Ok, mais c'est pas encore les grosses animations, là, parce qu'en fait, on peut sprinter, mais faire un coup spécial en sprintant. Et ça tape les autres adversaires. Allez, hop, on y va. Clac. Sans effet. Voilà. Ah, là, j'ai pas fait un joli coup. Ouais, j'ai fait un peu n'importe quoi, en vrai. Ok. Je suis où, là? Je suis... sur le green? Fairway. D'accord. Ah, attendez. J'avance en même temps ou pas? J'ai l'impression que j'avance pas. Attendez, on va voir. Est-ce que j'avance en regardant la carte? Ah si, 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 j'avance en fait. D'accord. Ça, c'est plutôt intéressant. Ouais, on va se mettre plutôt comme ça. Clac. Voilà. On est bon ou pas? Presque, hein. Allez, hop. J'ai peur. Vas-y. Non! Oh là là, c'est le... Oh là là, c'est vraiment naze. Ok. Quoi? Vous avez vu ce qu'il a fait? Regardez sa balle! Disgusting! Non mais attendez, quoi? Il a fait quoi, un aigle, lui? Non, il a fait un birdie? Attendez, what? Attendez, j'ai pas compris ce qui s'est passé! Yoshiro est arrivé en tête! Attention. Trou numéro 5. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce que c'est que ces persos, là? Laissez-moi gagner, en fait, c'est ma première partie. Allez, go. Joli coup. Bon, là, il faut vraiment que je m'applique, parce que sinon, je vais perdre. Ça serait un peu naze de perdre, quand même. En plus, c'est long, les parties de golf, alors si je perds, je vais devoir tout me retaper. On va se mettre plus comme ça, voilà. Clac. Sans effet. Voilà. Ah, j'ai fait un effet, je crois, non? Ma balle, elle est partie vers la gauche. Oh non, pas le... Oh, purée, elle a tapé le cyprès, non? Elle a pas tapé le cyprès quand même. Non, fairway, c'est bon. Ouais, non, on peut pas leur bouger leur balle. Un peu dommage. Allez, clac. Super. Je suis bon ou pas? Quoi? Elle a tapé quoi, ma balle? C'est une blague? Qu'est-ce qu'elle a fait? Attendez, what? Oh, elle rentre ou pas? Oui! Oh là 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 là, le chip! Incroyable! C'est bon! Ah ouais, non mais elle a tapé l'arbre! Oh là là! C'est nul! Attendez, par contre, il galère. Le Todd là. Je peux pas voir le Todd? Ah voilà, je vois le Todd. Ah, il a tapé dans le Yoshi.
Ah bah voilà, il a mis, non? Ah non, il a pas mis! Oh là là, les boulets! Regardez-les! Oh, il a fait plus 4! Oh là 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 là! Et l'autre, il a fait combien? Plus 2? Eh, il me colle toujours, hein, le Yoshi. Après, rien n'est perdu dans une partie de golf, hein. Il te suffit de faire un aigle et tu fais moins 2 à ton score, quoi. Attention. Alors, trou numéro 6, il nous en reste encore 3 de trous. Ah, mais là, c'est presque un trou en 1, hein, quand même. Voilà. Super, joli coup. Attendez, le Yoshi, il est parti avant moi, là, n'importe quoi, c'est pas possible. Je suis sur le green. Oh, quoi? Il a mis? Non, 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 c'est pas possible. Sur le green, sur le green. Merci, Jean-Jacques. Ah, je le renomme à chaque fois, le l'annonceur. Non, mais lui, il est trop bien, par contre, là. On peut pas lui dégager sa balle. Oh, putt de birdie, alors attention. Là, il faut bien réussir, quand même. Bon, lui, il est nul. Allez, 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 allez. Oh là là, super loin. Stop, voilà. Attends, je veux qu'il dégage, lui, parce que je vois... Non, mais je vois rien. Casse-toi, Todd. Voilà. Ok, un par. Très bien. Le Yoshi, il a fait quoi? Ah, il a fait plus 2 encore. Il a fait un par, lui aussi. Attention. Oh, c'est pas possible. Je vais jamais y arriver. Allez. Hop. Hop. Oh, purée, elle a dévié, quoi. Allez, on y va. Mince. Un petit sentier. J'aime bien parce que, franchement, je trouve le terrain coloré. Alors, le fairway. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Yoshi, là? J'ai lui entendu faire une grimace. Enfin, genre, vous savez, le bruit quand il est pas content. Il a fait... Truc du genre. Tiens, on va pas leur laisser les cœurs. Ça va pas ou quoi? Alors, attendez. On passe comme ça. C'est parti. Ok. Mince. Et par où ma balle? Oh, ça va. Ouf. J'ai eu peur. Allez, go. Vas-y. Vas-y, mamie. Fairway. Allez. Tiens, Yoshi, dégage. Avec ta balle. Ok. Là, par contre, c'est courbé de ouf, hein. Je vais essayer, mais ça va être chaud. Ok, super. Allez, vas-y. Vas-y, ma balle. Vas-y, ma balle. Vas-y, ma balle. Yes. On est bon, là. Alors là, par contre, c'est juste un coup pour un par. Mais c'est bon, ça rentre. Super. Joli par. Alors, le Yoshi, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il tire. Mais oui, il tire. Mais oui, il tire. Il est allé à droite, là. Il a fait exprès. Il veut me laisser gagner. Ouais. D'accord. Bon, il est pas content. Il a fait plus 3. Yes. Je remonte au score. Je suis premier. Attention. Oula, attendez, ouh, il y a du vent. C'est un vent contraire en plus. Oh purée, mais attendez, mais il faisait beau tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, go. Oh purée, mais qui joue au golf dans ces conditions? Personne. Elle va où ma balle? Ok, elle est là-bas, très bien. Le fairway. Bon bah ça fait plaisir. Par contre, s'ils pouvaient genre décaler les inscriptions parce que je vois pas ma jauge d'endurance. Ils ont pas vu ça au test? Ok, alors attendez, on va se mettre comme ça. Ok, super. Oh là là, pourquoi? Pourtant j'ai l'impression de faire une bonne action en utilisant ma touche A au bon moment, mais en fait non, j'ai pas un sens du timing incroyable, j'ai l'impression. Enfin c'est ce que le jeu me dit en tout cas. Bon ils sont loin, ça va, regardez-les, les deux branquignoles là-bas. Allez hop, on est parti. Là en plus c'est tout droit. Ah mais mince, c'est vrai qu'il y a le vent, à chaque fois j'oublie. Oh là là. Allez go. Oh, je suis bon? Non. Non, green, ok. Très bien. Sauf que là c'est du vent, hein. On n'oublie pas. Donc, on va se mettre comme ça. Yes, parfait, c'est un par. Très bien. Ouais, allez dépêche-toi. Ok, il a fait un par lui aussi. Oh mais il est content. Et avec sa petite casquette là. Ok, plus 3, plus 4, plus 2. Attention. Là c'est le dernier trou. Faut pas faire de conneries. Il y a encore un vent contraire. On y va. Super, joli coup. Oh, on s'est pas touché? Non. Attendez, mais il va grave loin le Todd.
Où est-ce qu'il va? Il a pris un raccourci ou quoi? Il y a un truc que j'ai pas vu. Attendez. Non, non, ça va en fait. C'est juste qu'il va être emmerdé en fait, parce qu'il y a juste les bunkers et tout quoi. Mais non, sinon il a fait un bon truc, je crois. Alors attendez. Là, le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a un vent contraire. Donc on va essayer de viser, voilà, comme ça. Quoique non. Non, non, on va pas faire ça. Heureusement qu'il m'a pas compté le coup. Parce qu'en fait, j'avais pas vu, mais la barre, elle s'incline vers la droite. Super. Où est-ce qu'elle va, ma balle? Oh, purée, elle roule. Rouse. Ok. Il y a le Rouse. Mais attendez, mais... Elle a touché quoi? Elle a touché quoi? C'est n'importe quoi. Allez. Super. Allez, go, go, go. Non, Yoshi, prends pas le cœur. Oh, c'était mon cœur. Il est où, Todd? Ah, ok, il galère. D'accord. Ah, mais le Yoshi, par contre, j'ai un peu peur de ce qu'il va faire. Ah, c'est juste, il est bête, en fait. Il est comme moi, il est un peu con. Allez, hop. Voilà, joli coup. Là, on est bon. Bon, s'ils me disent joli coup, c'est que normalement, je devrais pas être loin du drapeau. Je la mets? Green, non. Non, 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 Yoshi, non. Non, pas toi. Allez, c'est parti, le cinquième. Là, on est bon, allez, go. Allez, go, 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 ma petite balle, ma petite balle, ma petite balle. Non. Je vois rien. Je vois que dalle. Non, mais qu'est-ce qu'elle fout? Mais que, quoi? Quoi? Attendez, qu'est-ce que... Attendez, mais c'est Putt, moi, que je voulais faire. Pourquoi il a tiré comme un débile? Allez. Non, c'est pas possible. Oh. J'ai fait que de la merde. J'ai envie de chialer. J'étais tellement bien parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais quoi? J'ai pas compris. Bon, alors écoute, on va mettre de la puissance à fond. Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a tiré comme un débile? J'ai pas compris. Ah bon, on est passé. Navré, mais tu n'as pas réussi. Ah non. D'accord. Ah ouais, mais en fait, il va falloir que je me refasse les 9 coups là. Mais c'est chaud, attendez, c'est quoi cette difficulté là? Surtout que bon, le Yoshi et le Todd là, ils étaient quand même à côté de moi quoi. C'était pas comme si... ils avaient genre plus 10 points. Ok les amis, me revoilà après avoir fait mes 9 autres coups. Voilà, j'ai fait un score de moins 1, donc ça veut dire que je suis pas non plus vraiment une mère de golf. Enfin, j'espère. En tout cas, j'ai gagné 824 pièces et en plus, on va regagner de l'XP. Mais c'est incroyable ça. C'est très bien de gagner de l'XP. Alors, on va prendre ça, voilà. Attends, quoi? Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Confirmer l'amélioration de vos aptitudes. Oui! Je vais prendre de l'endurance à donf parce que, eh ben, du coup, c'est très important l'endurance. Mais je suis très content d'avoir terminé au moins cet entraînement. Et tu as réussi! Et dans le délai imparti en plus. En fait, il suffit de te foirer une fois sur un trou et c'est la merde. Vraiment, tu peux plus revenir parce que c'est super dur de faire des birdies et des aigles. J'ai une excellente nouvelle, l'Open d'Erascot aura lieu dès demain. Et comme tu as réussi ta partie de qualification, tu peux même t'y inscrire. C'est un tournoi qui se tient sur 2 jours. Le premier jour, il y a un match éliminatoire. Ceux qui sont encore en lice, le deuxième jour, pourront peut-être obtenir un badge chrome s'ils se classent dans les 3 premiers. Bah, le gagnant, ce sera moi. Donnez-moi le trophée tout de suite, ça fera gagner du temps à tout le monde. Tu ne frappes pas aussi fort que Bill, mais ma stratégie est imbattable. C'est moi qui gagnerai. Oh, quel aplomb, vous deux. Mais c'est pas parce que je suis un être immatériel que je vais vous laisser m'éclipser. Et je te souhaite bonne chance, Rookie. Surtout que t'as aucune chance contre nous. Sans me vanter, on est les 3 prétendants à la victoire, point barre. Ah ouais, d'accord, ok. Bill aurait pu être un peu plus diplomate, mais il n'a pas tort, au fond. T'es une salope de merde. Ouh, ce serait cruel de lui donner 2 faux espoirs. On le bat en distance, en puissance et en technique. Non, non et non, c'est faux. Un jour, la situation s'inversera peut-être, mais pour le moment... Eh oh, c'est pas pour rien qu'on organise des tournois plutôt que de simplement offrir les trophées aux favoris des jeunes.
Laissez à chacun sa chance, vous n'êtes pas à l'abri d'une surprise demain, et puis... Et puis, qui vous dit que vous ferez partie des favoris? Il paraît que parmi les participants, il y aura des golfeurs confirmés et même des pros. Quoi? Mais ce serait pas juste! Ah, ce serait enrichissant de voir des champions en action. On pourra jamais battre des champions! Alors, on tremble, je vous rassure, avec les handicaps, personne ne sera désavantagé. Ça m'est égal que les autres soient désavantagés, je veux juste gagner, moi. Alors, je sais ce que c'est, bien sûr, mais comment est-ce que ça fonctionne encore? Ça affecte le score final des participants, c'est ça? Pas vraiment, ici c'est un peu différent. Plus votre niveau est élevé, moins vous pouvez avoir de clubs, un système juste. Pah, j'ai besoin que d'un seul club, moi. Mais ça, c'est un truc que les joueurs normaux qui sont nuls au drive peuvent pas comprendre. Oh non, ça mettrait à mal toutes mes belles stratégies. Eh ben moi, je ne la trouve pas fantastique, cette règle. Vous n'êtes pas encore concerné par les handicaps, de toute façon. Souciez-vous plutôt d'être fin prêt pour demain. Votre score en match éliminatoire comptera aussi pour la finale, alors vous avez intérêt à faire de votre mieux dès la première manche. Ok? Très bien, mais c'est en Golf Rush du coup? Bon, d'accord, bon, on a compris, merci. Ils mettent longtemps à partir, hein, et en plus ils ont des pops, incroyable. Donc, entre toi et moi gamin, je pense que tu as toutes tes chances, ce sera dur mais je crois en toi. D'accord, allez vous reposer dans votre chambre, d'accord, en prévision du tournoi. Eh ben écoutez, on est parti! Ah, tu es rentré, tout s'est bien passé aujourd'hui, j'espère que tu vas te reposer. Oui, alors je te souhaite bonne nuit. D'accord, ok, ben tu m'aimes pas, tu fais à manger, d'accord, ok, merci Birdo, c'est gentil. Allez, c'est parti, au dodo! On va arriver de golf, ça c'est sûr. Allez, on va se coucher. Debout là-dedans, c'est ce matin que démarre le grand tournoi. Tu ne voudrais tout de même pas arriver en retard? Ok, il y a beaucoup d'allers-retours quand même, hein. Ils auraient pu directement nous TP dans la chambre, mais bon... C'est pas grave, ça c'est quoi? La chambre de Toadette, ok, elle est à côté de la télé. Très bien. En tout cas, les chambres sont super simples, hein. Y a pas vraiment d'ordinateur ou de télé. Non, non, c'est super simple, y a un lit et une commode. Tu devras prendre le départ dans 30 minutes. En attendant, tu peux peaufiner ton jeu sur le practice. Non, je ne veux pas. Par contre, je vais aller faire le tournoi, c'est parti. Boutique. Ah, une petite boutique. Les sacs de golf sont interdits dans le clubhouse. Ouais, bah je vais déposer mes clubs au vestiaire, alors ça fait quoi? Oh, on peut acheter des trucs? Permet avec la montre connectée de mesurer les distances pour aider à planifier tes coups. Ah, c'est pas mal ça. Allez, pour 500 pièces, je prends. Télémètre. Bah ouais, j'apprends, vas-y. Le télémètre permet de mesurer la distance qui vous sépare du point visé par votre coup. Appuyez sur R avant de jouer votre coup pour afficher l'écran du télémètre. D'accord. D'accord. Et ça sert à quoi? Je comprends pas en fait. Bon, c'est pas grave. Donne à la balle un effet de top spin. Aucune idée de ce que c'est. Ah! Ok, ça on va prendre par contre. Très bien. Et ça c'est bien. Voilà. Réduit la perte de vitesse sur le rough. Le rough, plutôt. Un curve de la trajectoire à l'opposé de la main dominante. Oh, je comprends rien. Alors attendez. Mais je suis droitier? Non, je suis gaucher. Mon mille est gaucher, je suis droitier d'habitude. Donne à la balle un effet de top spin. Bon, on va prendre ça. Allez, super. Je sais pas ce que c'est, mais pourquoi pas. Renforce la puissance des effets de backspin et de super backspin. Bon, on va tout prendre, hein. Et voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir s'équiper, c'est ça? Voilà, donc ça, je le prends. Même si ça m'alourdit, c'est pas grave. Donne à la balle un effet de top spin. Eh ben alors, attendez. Si ça donne un effet de top spin, je vais enlever celui-là. Parce que regardez, c'est la même distance. Donc on s'en fout. Après, les vêtements, je prends ça. Et je prends les chaussures. Voilà, là, on est mieux. Et après, alors, attendez... 77. Ça c'est bien ça. Ouais, je pense que c'est mieux. Renforce la puissance des effets de backspin. Bon, bah alors on va prendre celui-là plutôt. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai? 132. Bon, bah on va prendre celui-là. Allez hop, super. Salut! Ah bonjour, ça va? Bien dormi? Ouais. Tant mieux, tant mieux. Tu devras obtenir un score de plus 8 ou mieux pour passer les éliminatoires. Ah, ça va, plus 8. C'est tranquille. Quelle belle frappe du Koopa! Avec un tel niveau de compétition, je sens qu'il va y avoir de très bons scores aujourd'hui. Il y a Koopa, d'accord. Ah mais attendez, mais Koopa, il n'est pas dans le jeu de base. Donkey Kong. D'accord, et voilà un magnifique birdie pour Donkey Kong. Quel beau toucher venant de ce grand gaillard.
Bien, ça va être au tour du groupe suivant de prendre le départ. Messieurs, dames, prenez position sur l'air de départ. Sanji s'apprête à jouer son coup de départ. Attention. D'accord. Ah ben, il y a Boo à côté. Il y a Todd. Ok. Il n'y a pas Toadette. Allez, c'est parti. On y va. Super. Joli coup. Ça commence bien. Allez, let's go. Ah, mais attendez. Il y a un autre perso, non? J'ai vu. Oh, attends. What? Qu'est-ce qu'il fait? Attendez, vous avez vu? Mais attendez, c'est de la triche. Moi, j'ai pas ça. Regardez ça, c'est des super coups. Allez, dégage-toi. Tiens, je te défonce. Allez, vite, vite, vite. On connaît en plus, hein. Ce circuit-là, on l'a déjà fait. Enfin, ce parcours-là, plutôt. Alors, on va plutôt se mettre comme ça, non? C'est un peu mieux. Et le vent, on va se mettre comme ça, vu qu'il y a le vent. Voilà. Super. Joli coup. Magnifique. Allez, j'espère que ça va aller. Je suis sur le green là ou pas? J'ai pas vu. On va voir après. Hop. Je prends les petits cœurs. Ouais, sur le green carrément. Cool. Bah, j'ai bien négocié alors. Ok, et on est à côté. Ça, c'est bien. Pot de birdie. Alors, on va essayer de faire un birdie. Alors, dégage, Boo, s'il te plaît. Vous me déconcentrez. Et... oui! Parfait! Super putt! Et c'est un birdie! Sanji marque un joli birdie! D'accord, très bien. Alors, Boo! T'as fait un bon score au moins? Ah bah non, on est nul, Boo! Alors, qu'est-ce qui se passe? On est nul? Alors, attendez. Bulldozer, Yoshiro, Scoopa, Paratroopa, Toadette. Oui, Gleur! Skullrex, Kamek, Larry, Morton, Roy! Attendez, pourquoi? What? Carotin, Topito. Mais attendez, frère Sumo, Ninji, Eliko Maska, Spike. Mais attendez, alors si ça c'est tous les personnages jouables, c'est incroyable. Non, Tortitope, c'est n'importe quoi. Attendez, mais il y a les Koopalings. Mais what? Pourquoi ils ont remis les Koopalings? Il y a Carotin aussi. Incroyable. Bon, alors attendez. Je suis premier pour le moment. Alors attendez. Ok. Il va falloir la jouer fine. D'accord, donc on va se mettre droit. Et on va pas aller trop loin non plus. Allez, super, joli coup, on y go. Let's go, c'est parti. Casse-toi, Boo. Oh là là, mais il fait des petites rondes. C'est la ronde de Boo. Oh, mais je suis à côté. Ouais, bah, le vent, on s'en fout. Allez, hop, c'est parti. Oui, c'est parfait. Et c'est un birdie. Magnifique, donc ça me fait moins 2, moi. Alors, Bulldozer est deuxième. Boo, troisième, ok. Wiggler, neuvième. J'aimerais trop que Wiggler soit dans le jeu. Topitope aussi, allié. Alors, il y a combien de coups déjà? Je m'en souviens plus. Bon, allez, c'est parti, on va y aller. À fond la caisse. Hop. Sans effet. Et voilà, c'est un joli coup. Parfait. Allez, on dégage. On va prendre des pièces, tant qu'à faire. Allez. Bon, on peut pas faire un regard arrière, enfin comme dans Mario Kart, vous savez, regarder derrière. C'est un peu dommage ça, ils auraient dû faire ça, pour savoir un petit peu si y a des adversaires derrière nous. Mais en tout cas, je savais pas qu'il y avait de l'aspiration dans ce jeu. Si on se met derrière le personnage, sûrement, quand on lui court après. On va se mettre, ouais, comme ça, allez, c'est parti. Ok. Voilà, super. Allez, go. Je sais pas si je suis bien, mais c'est pas grave. Ouais, elle a l'air d'être bien. Oh, pas dans le bunker. Oh, ouh là 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 là, la balle dans le bunker. Mais, oh, ah non, fairway, ok. J'ai cru qu'elle était dans le bunker, bon, c'est bien. Attends, 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 attends. Je veux faire de l'aspiration. Ah ouais! D'accord, c'est comme ça que ça se joue l'aspiration, très bien. Bon, on est près du bunker quand même. Hein. Alors, on va ouais, se mettre comme ça. Parfait. On va incliner. Voilà, super. Ok. Voilà, super. On est bon. Allez, go. On va prendre le petit cœur. Oh là 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 là. Fairway. Ouais, mais d'accord, mais en fait, elle a glissé. C'est vu que c'est une pente. Attendez, comment je fais là? Mais elle va taper le sol, non? J'ai l'impression. Ok, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Oh, oh, oh. Ah non, oh, d'accord, j'ai cru qu'elle était bien, mais en fait pas du tout. On va se mettre plus vers là, voilà. C'est parti. Yes, c'est quoi, un bogey? Non, un par, ok, c'est bon. Ça me va, moi. Tant que j'ai moins 2. Ok. Attention. Trou numéro 4.
Mais il y a combien de trous? J'ai pas fait gaffe. J'aurais peut-être dû faire gaffe, mais c'est pas grave. Boo a fait 0 quand même, hein. Il est plus doué que Toad. Allez, c'est parti. Bon, par contre, le speed golf, c'est sympa, mais bon, c'est rien de très ouf, quoi. Ah, on peut sauter, c'est vrai. Est-ce qu'on peut sauter alors qu'on sprint? Ah non, on peut pas. Ok, très bien. Allez, vas-y. Oh non, 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 pas toi. Allez, vas-y, mon petit mi, go. Alors, là, je suis bon. Ouais, on va se mettre plus vers là-bas. Voilà. Quoique. Non, attendez, il y a une pente. J'avais pas fait gaffe. On va se mettre comme ça. Voilà, c'est bon. Allez. Super. Joli coup. Et voilà, là, on est bon. Go. Ok. Je suis sur le green. J'espère quand même. Hein. Fairway. Ok. Non, pas encore. Ah non, le green est encore loin. Ok, j'ai cru que le green était super près. Mais en fait, pas du tout. Bah, je peux même commencer à putt, non? Je peux pas putt? Bah, je peux putt, là, non? Bah, c'est un peu mieux, quand même. Que de faire un coup un peu nul. Par contre, lui, il a mis la balle. Ok, d'accord. Donc, on va se mettre comme ça, plutôt, vu qu'il y a une pente. Et on va putter. C'est parti. Ah, ça passe pas. Ah, dommage. Bon, c'était une bonne tentative, quand même, hein. Pas tout le monde n'aurait fait ça, je pense. Mais voilà, au moins, on a fait un par. Sanji a réussi à sauver le par. Ok, d'accord. Très bien. Alors, trou numéro 5, c'est parti. Mais il y a combien de trous? Attendez, parce qu'il me disait, oui, fais moins de plus 5. Enfin, fais plus 5 ou moins, il disait ça. Bon, là, je suis à moins 2, donc ça devrait aller. Sanji fait un sprint. Toad a réussi à dépasser Boo. Toad s'élance sur un sprint kill but. La ronde des Boo. Oh, ça s'appelle vraiment comme ça en plus. L'attaque spéciale de Boo. Sanji fait un sprint. Mais regardez-les, il s'éclate là-bas. Allez. Donc là, on y va. Hop, c'est parti. Super. Boo profite de l'aspiration et accélère. Je vais les taper les deux là. Non, je voulais les taper. Bon, c'est pas grave. Vas-y. Allez, voilà, super. Tu dégages. Non, 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 barre-toi. En fait, c'est bien d'être dernier. Je peux les pousser comme ça. J'adore. Ah bah, dis donc, moi j'ai fait un meilleur coup qu'eux. Alors, bah écoutez, on va y aller, hein. Super. Je suis bon, là. Stop, stop, stop. Voilà, super. Alors là, j'ai mon troisième coup, je crois. Donc, normalement, je fais un birdie. Allez, hop. On y va. Ou un par, je sais plus. J'ai fait quoi? Un par, non. Ok, d'accord. C'était mon quatrième coup. Alors. Très bien. Bon, j'adore ma tenue, en tout cas. Elle est stylée. J'aime bien. Koopa, Boo, Yoshi Rose, Kamek, Larry. Oh là là, s'il y a les Koopalings, moi, je jouerai Larry tout le temps. Hein. Bon, il n'y a pas Flora Piranha, malheureusement. Sinon, j'aurais été très content, mais là, malheureusement, elle n'y est pas. Ok, on y va. Super, joli coup. J'ai cru que j'avais raté, mais pas du tout. J'ai fait exprès hein, de pas viser le drapeau. Parce que, regardez, il y a du vent. Allez, dégagez. Bam, sur le green. Ok. Je suis le seul sur le green? Pas de birdie. Ok, on va essayer d'être pas mal. Ça va être chaud, mais on va essayer. Là, il faut que je fasse un gros coup. Hein. Je suis en descente, en plus. Ça, c'est un peu chiant. Allez, je vais aller plus loin, quand même. Go, 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 go. Non! Oh là là. Mais en plus, mais qu'est-ce qu'il fout, mon perso? Allez, monte! Mais qu'est-ce qu'il branle? Mais, allez! Mais qu'est-ce qu'il fait? Arrête de faire du jogging, là. N'importe quoi. Alors, attends. Comme ça, on y va. Oh, j'ai fait un peu trop. Souffle! Oui, c'est bon. Souffle dessus, comme ça, elle va un petit peu plus loin. Ah oui, j'ai cru que j'étais un peu trop ledge, là. Au niveau de mon tir. Attention. Ok. Bah, pour l'instant, attendez, je les défonce, les persos, là. Allez. Hop. Go! Oh, mais non! Mais attendez, à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir un bon timing, mais en fait, pas du tout. Ok, d'accord. On saute. Ça sert à quoi de sauter? Ça sert à rien du tout.
Tu dégages. T'es pas cool, toi. Alors, là, on va pouvoir prendre le cœur. Super. Et on est parti. Alors, bah là, on est bon, hein. Il n'y a pas trop de vent. On va se mettre un petit peu comme ça. Super. Oh là là, mais encore. Sanji s'élance. Oui, d'accord. Je suis où, là? Je suis pas dans le bunker, quand même. Non. Oh, Browse. Ok, je suis un peu loin du green. Allez. Super. Oh, qu'est-ce qu'il a? Ah non, ok, c'était la balle de boue. J'ai cru qu'il s'était élancé en mode n'importe quoi. Allez, on putt. Parce que là, on est bon, hein, quand même. On va se mettre un peu comme ça. Voilà. Allez. Je sais pas où je suis. C'est pas grave. Quatrième coup, on va faire normalement un par. Si jamais je le rentre. Et c'est un par. C'est magnifique. Bon, pour l'instant, je m'en sors un petit peu mieux, quand même. Moins 2. Regardez, lui, Donkey Kong, il a le truc en or. Et ils ont fait plus 12, mais Iggy, quelle merde. Regardez, plus 16. Paragoomba, plus 16. N'importe quoi. Attention. Allez. C'est le 8ème trou. Il faut faire un par en 4. Allez, ben on est parti, hein. Après, je suppose qu'on va avoir de nouveaux clubs qui vont nous permettre de faire des putts plus loin ou d'envoyer la balle plus loin. C'est la première fois qu'on voit ces moutons-là. Regardez-moi ça, comme ils sont beaux. Bon, c'est pas le moment de regarder, mais ils font pas Mario, en tout cas. En tout cas, j'aime beaucoup ce terrain. Je le trouve vraiment très stylé. Allez, on y va. Ouais. En plus, il y a du vent, quoi. On va se mettre plutôt vers là-bas. Voilà, joli coup. Parfait. Je pense que je suis pas mal. Tiens, on va prendre le cœur. Je suis sur le green ou pas? Non, fairway. Ok. Un petit peu trop loin. Allez, c'est parti. On prend le cœur encore. Oh, mais je suis à côté. Arrêtez, c'est quoi ces délires, là? Quoique. Ouais, c'est un peu loin quand même, non? C'est un peu loin. Alors, attendez. On va se mettre un peu comme ça. Et on va faire le coup magnifique. On s'approche, le coup d'approche. Allez, stop, 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 stop. Oh, c'est pour ça que j'aime pas faire des coups d'approche comme ça. Je déteste ça. Ok. Ah, d'ailleurs, c'est quoi le truc comme ça? Ouais. Distance 7,9. Et ça sert à quoi, en fait, de m'indiquer ça? Parce que bon, ça sert pas à grand chose, hein. Allez, go. J'aurais dû viser plus loin. Allez, hop. Super. Nickel. Bon, j'ai fait un bogey. C'est pas grave. Ça m'a ajouté plus 1 aux F. Ah, Bulldozer m'a dépassé, quand même. Ah non, je suis premier avec lui, pardon. Allez, 9ème trou. Je pense que c'est le dernier, là. En descente, ouais, d'accord. Allez. Ok. Ça fait pas une grande différence, quand même, quand j'ai amélioré ma puissance, là. Enfin, on tire un petit peu plus loin que tout à l'heure, mais bon, c'est pas non plus... Enfin, que tout à l'heure, que dans la dernière vidéo. Oui, parce que moi, je tourne à la suite. Mais après, bon, c'est pas non plus une distance de malade, quoi. Hein. Par contre, ça risque d'être vraiment très répétitif si jamais le jeu ne fait que du speed golf, là, comme ça, tout le temps. S'il n'y a pas un petit peu de changement, ça va être vite un peu relou. Moi, j'aimais bien, genre, les trucs... Oh, purée. Elle est partie... Oh là 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 là, elle est partie dans les chaussettes là-bas. Ah non, c'est bon. Ouf, j'ai peur. Allez hop. Le fairway. Je sais pas si c'est vraiment les vrais termes. Je pense que oui, mais c'est drôle d'avoir des vrais termes comme ça, super techniques. Je ne pensais pas d'ailleurs que le golf avait des termes super techniques. Alors, ok. Très bien, le vent est comme ça. Bon, c'est génial. On va faire comme ça. Et comme ça, voilà, joli coup. Allez, on y go. Là, je suis bon ou pas? Si je le marque. Impossible. Non, c'est pas possible. Je suis pas assez bon. Ok, avant green. Ah, c'est la première fois qu'on tombe sur l'avant green. Allez, putt de birdie. Essayons de remarquer. Bon, en plus, le vent est avec moi, donc... Oh, purée, Todd! Il a fait un birdie, là. Trop fort.
Allez, allez, allez. Ah non, Gérard, la balle. Oh là là. Allez, tapine. Hop. Bon, on a fait un par. C'est déjà ça. Non mais attendez, Bulldozer là. Ah, je suis première place, d'accord, ok. Mais Bulldozer, attendez, il était avec moi quand même. Il s'était pas vanté pour rien finalement. Parce que des fois dans les jeux vidéo, vous savez, il y a des ennemis qui se vantent, mais en fait, ils sont nuls quoi. Alors, je propose capacité à donner de l'effet au coup, ouais, Osef. Précision. Ouais, on peut faire ça. Et après, on va améliorer, voilà. Super. Bonjour Sanji, c'est aujourd'hui la finale. Tu as hâte? Il est temps de te préparer. Ok, très bien. Bon bah écoutez, on retourne au parcours. Tout le monde est présent? Et voilà, le moment de la finale est arrivé. Il va falloir tout donner les rookies. Allez, c'est parti. Trou 10. Comment ça, trou 10? C'est le dixième trou là? Ah ouais, d'accord, parce que ça continue en fait. D'accord, je comprends. Bon bah on va pas s'arrêter là alors. J'allais dire qu'on allait s'arrêter là si jamais il y avait une note cinématique. Mais bon, du coup non. Ah, il y a Bulldozer avec nous, ok, très bien. Bon, il y a pas Toadette finalement. Ok, on sait pas où elle est Toadette, mais c'est pas grave. Oulala, attendez, il y a Yoshi qui nous balance un œuf rose là. Le fairway, ok, très bien. Bon, on va essayer de battre Bulldozer. Mais d'ailleurs on sait pas trop ce qu'il fout là hein. En plus, son attaque spéciale, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais en fait, il prend la balle à la main et il la balance, c'est un peu n'importe quoi. Allez, hop, clac. De toute façon, on le jouera bien assez tôt, hein, je pense, Bulldozer, parce que bon, c'est un nouveau personnage, etc. Et il me fait bien triper. Allez, on y va. Coup 2, coup 2. Oula! Pourquoi il y a eu un tremblement de terre? Sur le green. Oulala, là là, mais attendez, je suis où sur le green, moi? Ah mais voilà, regardez, il fait des plaquages et tout, n'importe quoi. Tu t'es trompé de terrain là. C'est pas le bon terrain pour faire ce genre de choses. Allez, putt de birdie. On est parti. Alors, on va se mettre un peu comme ça. Bon, il est un peu nul, Bulldozer. Par contre, s'il te plaît, voilà, mets-toi bien. Allez, go. Go, 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 go. Yes. C'est rentré, super putt. Et c'est un birdie. Donc ça nous fait moins 2. Ah non, parce qu'on continue avec... le score de la dernière fois, d'accord. Très bien. Alors, trou numéro 11, c'est parti. Je pense qu'il y a 20 trous. Donc on va se dépêcher de les faire, hein, parce que sinon j'ai pas envie que la vidéo dure 40 minutes. Même s'il y a du montage. Allez, hop. Go. En fait, il faut bien appuyer sur A avant, quoi. Le timing est un peu naze, je trouve. Et oh, bah, vu qu'on a amélioré, vous avez vu, l'endurance, on peut faire deux rushs d'affilée. C'est bien ça. Alors, on va... putt, mais de malade. Ok, là, il y a du vent. Très bien. Eh ben, écoutez, c'est parti. On y go, on y go, on y go. Oh, je suis bien. Je suis pas mal. Non, tu... Oh. Je retourne dans l'avant-green, quoi. Allez. Allez, 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 allez. Oh, purée, c'est pas possible. Bon, après, impossible que je la marquais. Hein. Bon, j'ai fait un bogey. Eh ouais, bogey, bon c'est pas grave. Ça me fait toujours moins 1 on va dire. Allez, c'est parti pour le 12ème trou. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller là-bas? Non, je pense pas. Tu peux aller là-bas, tu penses? Je sais pas. Ouais, non, 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 j'ai pas envie de tester. Parce que si jamais on peut pas y aller et que, je sais pas, c'est du hors limite, ça va être un peu chiant. Ah mais j'avais pas fait gaffe que en fait quand tu appuies sur L, ça réincline la caméra. D'accord, ok. Bon, on en apprend tous les jours hein. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire, là? On y va. Je vais essayer de faire un coup, comment dire, vers la gauche. Voilà. Bon, je sais pas si ça a marché. Je crois que oui. Non? Ça a marché? Oui, je crois. J'ai fait un effet vers la gauche. Bon, c'est un peu bête, le truc de faire des effets. Enfin, c'est pas bête, mais la façon de faire, c'est un peu bête. Genre, sur le deuxième coup de la jauge, il faut que tu inclines le stick. C'est un peu stupide. Bon, bref. Allez, c'est parti. Là, le problème, messieurs et mesdames, c'est que là, ça va être chaud, quoi. Tu peux pas y aller. Ah, quoique. Ah, si j'incline, ça passe. Allez, on y va. Allez. Voilà, joli coup. Je passe. Le cyprès de merde, là. Allez, c'est bon. Ça passe. J'aime pas le cyprès, je suis allergique. Allez, on y va. Oh, le Bulldozer, là, qui va rentrer sur le green. Incroyable.
Oh, le bulldozer, il a raté. Quel nul. Allez, hop, pote de birdie. Ah, c'est bien, ça. Allez, on va se mettre vers là-bas. C'est parti. Go. Non. J'ai envie de pleurer. Pourquoi ça rentre pas? Allez, c'est un par cette fois. Rentre. Mais voilà. Oh là là, j'aurais pu faire un birdie magnifique. Allez, le trou numéro 13. Ça fait beaucoup de trous, dis donc, hein. Je suis même pas sûr que nos corps humains en aient autant. Allez, hop. On va arrêter les blagues un peu dégueulasses. Allez, ouh, joli coup. C'est parti. Oh là 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 là, non, 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 pas moi, pas moi. Oh purée, vous avez vu? Je l'ai esquivé. Oh purée. On se calme. Ils veulent vraiment me tuer. Tiens, ça t'apprendra. Ah mince, j'ai raté. C'est pas grave. Oh là 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 là. Mais regardez-le, il veut taper Yoshi, là. Il veut lui faire un plaquage. On n'est pas au rugby, je t'ai déjà dit, bulldozer. Allez, cette fois-ci, on est bon. Là, c'est un peu courbé, comme Julien. Ça, c'est un peu naze aussi, comme blague. C'est pas grave. Oh, petit cœur. Alors, attendez, on va faire... Voilà, une technique qui s'appelle la technique du fourbe. C'est-à-dire prendre le cœur... Enfin, faire un coup turbo comme ça et prendre le cœur... Et mais je suis à côté en plus. Incroyable. Non. Oh là là, il m'a défoncé. Alors attendez, je suis à côté du drapeau. Mais j'ai fait un super bon coup en fait. Regardez-moi ça. Le putt de birdie là qu'on va faire. On va voir un petit birdie. Incroyable. Ah bah alors bulldozer, on est nul. Mince. C'est bon? Oui, ça passe. Ok, yes, c'est parfait. Sanji marque un joli birdie. Alors du coup on a moins 2, lui il a fait plus 0. Bah alors, bulldozer, on était censé être le plus fort du monde. En fait, on est nul. Alors, on va prendre le F3. Voilà, le club F3. C'est parti. Voilà, joli coup. On est parti, let's go. Est-ce que je suis sur le green? J'ai peur. Regardez-moi où elle va, la balle, là. Voilà, 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 voilà. J'aurais pas dû... Regardez-moi ça. Je suis super loin du green. N'importe quoi. Je peux pas le taper. Allez, on va le taper, on va le taper. Bam. Tiens, ça t'apprendra. Allez, putt de birdie. Bon, là, ne vous attendez pas à grand-chose de ma prestation. Hein. À part si je la marque, mais... Non, impossible. Allez, c'est parti. À fond. Wouh. Et ben voilà, je vous l'avais dit. Hein. Il y avait zéro... Non, 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 mais en plus, elle est ressortie. Avant green. J'aurais dû m'approcher, en fait. En fait, le problème, c'est que je veux tout le temps marquer. Mais il faut pas. Il faut pas vouloir tout le temps marquer. Il faut juste... Oh! Non! Elle est pas... Mais arrêtez! Elle est... Mais attendez, elle a frôlé le trou. C'est pas possible. Allez. Bon, le bogey de merde. Allez, ben voilà. Génial. J'adore. En plus, j'avais mis moins 2 points. Là, je repasse à moins 1. Bon, lui, il a fait plus 1, hein, vous me direz. Attention. Allez, trou numéro 15. Bon, ça c'est en 3 coups, non? Alors attendez, on va se mettre voilà vers le bunker. Vous allez me dire, mais non, mais Sanji, pourquoi tu vises le bunker? Bah tout simplement parce qu'il y a du vent, les amis. Il y a du vent. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette balle? Attendez, j'avais visé le bunker. Et en fait, finalement, bah ça a servi à rien. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, on y va. Ouais, bon, là, on va faire une déviation de la mort. Allez, on va faire un effet de mort. Hop, j'ai raté, j'ai raté. J'ai tout raté. Regardez-moi cette balle. Où elle va? Où vas-tu, ma balle? Oh, j'ai tout raté. Fairway. Je suis à côté quand même. Il a volé mon cœur. Sanji a vidé sa jauge d'endurance. Mais merci de me dire que je suis nul. C'est génial. Sanji fait un sprint. Ouais, ouais, d'accord. Allez, tais-toi. On peut pas... Attendez. Je peux pas changer de club. Attendez. Non, mais bah, c'est trop loin, là. Voilà, là, on est mieux, là. Ah, mais c'est un putt. Ah, c'est nul, là, en fait. D'accord. Bon, bah, écoutez, on y va, hein. J'espère marquer. Allez. Je ne marquerai pas. Bon, c'est pas grave. Peut-on, hein, du coup. Le petit putt. Let's go. Je suis mauvais, je le savais. Je le savais. En fait, il faut toujours viser le trou, hein. Ouais, il faut toujours viser le trou. Ça sert absolument à rien de viser à droite ou à gauche quand tu putes. Le vent n'influe jamais, quoi. Vraiment.
Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces trous là? Bon, écoutez, on va aller vers là-bas, voilà. Voilà, je vais m'arrêter ici. Super, joli coup. Merci, monsieur l'arbitre, au moins. Oh non! J'ai failli me prendre le petit pilier. Dégage! C'est mon cœur. Sur le green! Ah, mais je suis le premier sur le green, tiens. Pour une fois. Putt de birdie! Ah! Monsieur le birdie! Et ben voilà! Voilà, je vous l'ai dit. Ça ne sert absolument à rien de viser à droite ou à gauche quand tu puttes. Absolument à rien. Quand est-ce qu'on a terminé, là? Parce que ça commence à faire une longue vidéo, dis donc. Trou numéro 17. Allez, c'est parti. Hop. C'est parti. Joli coup. Regardez-moi cette balle. Mince, il y a du vent. J'ai oublié. À chaque fois, j'oublie le vent. Mais c'est con aussi. Pourquoi ils te mettent le vent en haut à gauche, dans un tout petit cadre? Ils peuvent pas te mettre le vent, genre... quand tu tires... Il y a un problème de HUD dans ce jeu. Alors le HUD, le HUD, c'est ce que vous voyez tout autour de l'écran. Hein, ce qui nous aide à nous repérer. Donc ce qui fait partie du HUD, par exemple ici, c'est le texte en bas à gauche avec le petit HUD, le minuteur, la petite map, trou numéro 17, après il y a les trois personnages avec le nombre de scores, et à droite les clubs. Ça c'est le HUD, ça fait partie du HUD. Et le HUD de ce jeu, je trouve qu'il est très mal fait. Ok, joli coup. Merci pour le cœur. Ça servait à rien, mais... C'est quand même sympa. Sur le green? Non? Oui? Non? Sur le green. Sur le green! Mais merci, Jean-Jacques! Et ben voilà! Putt de birdie! Bon, alors là, si je rate, c'est qu'il y a un problème. Hein. On va se mettre un peu comme ça. Voilà. Let's go! Et ben voilà! C'est bon! C'est un petit birdie! Magnifique! J'ai jamais fait autant de birdies avec vous. Allez, c'est parti pour le trou numéro 18. Normalement, ça peut être le dernier trou, parce qu'on avait fait 9 pour les qualifs. Donc là, si c'est la finale, ça fait encore 9, donc ça fait 18. 9 x 2, 18. Voilà. Bienvenue en primaire. Alors, je m'élance pour un sprint frénétique. Et je peux même sauter, regardez. Ouais! Bon, ça sert à rien. Est-ce qu'on va plus vite, vous pensez? Moi, non, on va à la même vitesse, j'ai l'impression. Ok, 465 mètres, 423, je ne sais pas à quoi ça correspond. Il y a un vent contraire, on va essayer voilà, de viser là-bas. Alors, est-ce que je passe? Mais oui, je suis même au milieu de la piste, là, c'est très bien. Allez, hop. Allez, dégage Yoshi. Ça dégage. Ah, regardez, c'est le troisième coup de Yoshi. Et c'est le deuxième coup de Bulldozer, pourtant il est allé super loin. Bulldozer, ça doit être un personnage, vous savez... qui est extrêmement fort pour faire de gros coups. Ça doit être un personnage puissance, quoi. Parce que chaque personnage dans Mario Golf a une caractéristique, hein. Ça, je le sais. C'est comme dans Mario Tennis. Il y a des persos techniques, des personnages puissance. Bon, la défense, ça sert à rien dans ce jeu. Peut-être endurance, qui ont plus de cœur. Enfin, de barre de cœur. Enfin, la barre vendue, quoi. Allez. Purée, le Yoshi, il a fait plus 10, quoi. Là, il a tout foiré. Même pas tu vas en finale, mon gars, hein. Espère même pas. Ça me ferait du mal de te voir pleurer. Allez, 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 allez. Allez! Oh, oui! Je l'ai mis! Oh là 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 là! Yes! J'ai cru que je l'avais pas mis. J'aimerais bien faire un trou en un. Un jour. Peut-être. On verra. Et yes! Je suis premier! Donc j'avais raison, il y avait 18 trous. Ok! Première place! Vous passez du badge d'acier au badge chrome. Du coup, alors attendez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 badges à récupérer dans le jeu. Ok. Donc, capacité à courir rapidement, ouais d'accord. Bon bah écoute, on va tout mettre là-dedans. Hein. Voilà, parce que c'est important aussi de courir vite. Rendez-vous à Vallon-les-Flots. Eh ben écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Mario Golf Super Rush. J'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, à très vite, pour une autre vidéo sur le mode histoire. Allez, ciao ciao !